you? My name is Ezekiel Kofi. I study economy and finance management. I starting my master in statistics and evaluation. I will continue to my presentation in French because it will be better. English is awesome. Very soon I will be able to have a best presentation in English. So, mon projet est appelé projet Zobin. Zobin qui veut dire lumière. Zobin est un mot fond. Okay, so I will try to join him. My English is not good, but I will do my best. So he said he will present you the project. The name of the project is Zobin, and it font it's mean lumière, light. Light. Okay. Pourquoi ce projet? Au Bénin, vous allez dans les villes comme Cotonou, Parakou, Porto-Novo, le niveau d'électrification, ce n'est pas mal. C'est plus ou moins bien, tout au moins au niveau domestique. Ok, so he said in Benin, in Cotonou, Porto-Novo, like all the big cities, the access to electricity is quite good. Like in Cotonou, just on the house, maybe not outside, but on the house they have electricity. Mais de la même manière, vous faites un tour à 60 km juste après Ouida, vous avez des problèmes dans le ménage. He said not so far from here, just after Ouida, there is no electricity in the house. Et c'est encore plus criant dans les villes. Donc c'est un projet sur l'électrification rurale. Okay, so this is why they are building a project around the rural electrification. Et donc, ce projet tient en compte les communautés rurales et en même temps prend en compte les énergies renouvelables. Okay, so this project is for the rural population and also in and énergies renouvelables. Et donc, nous visons principalement comme objectif à travers ce projet-là à contribuer au développement durable en apportant de l'énergie aux populations rurales. Okay, they want by this project contribute to the development, the ODD, to give energy to this population. Alors, d'emblée, ce n'était pas un projet business, c'est beaucoup plus un projet social au début. At the first, it was not a business project, it was a social project. Mais quand je rencontre des partenaires, je rencontre des gens avec qui j'échange, ils trouvent que pour ce coût du projet, c'est très grand comme coût pour que ça soit un projet social, mais que ça doit être un projet business. Alors actuellement, j'essaie de transformer ça en projet business sans pour autant empiéter sur mon idée principale. Ok, so the price of the project is really high. So he's talking about with the partner, and they said it's maybe too expensive for a social project. So he's turning it to business project, and he's trying to keep like the social vision also. Alors, le projet, ça c'est en français pas total cost of the project. 16 milliards, 18 milliards, je ne sais pas. En dollars, ça fait au plus de 30 millions de dollars. $30 million. Alors, le projet est simple. Vous aurez dans chaque communauté et dans chaque village. Nous avons ciblé 80 villages dans le nord du pays. He said that the project is simple. They already choose 80 villages in the north of the country. Pourquoi le nord du pays? I'll explain you why the north of the country. Ça, par exemple, ce sont des données statistiques du projet Millennium Challenge Camp Bénin sur l'électrification au Bénin. Ce sont des statistiques. This is statistical data from Millennium Project in Bénin. Et du ministère de l'énergie. Bon,
Là, par exemple, ça montre le taux de couverture nationale. Vous avez dans les villes plus de 65% de taux de couverture dans les départements comme le littoral, l'Ouémé, l'Atlantique. So this is the pourcentage. Pourcentage, voilà, pourcentage. Pourcentage. Access to electricity in the urban area. The first one in green, and the second one is access to electricity in maybe rural area. Ivory. Et maintenant, vous allez voir que ceci est en rouge parce que le taux de l'électrification est vraiment inférieur à la moyenne et au niveau des autres. And in the north, at Akora, if I read it well, the access to electricity is really low. Alors, et donc, c'est pour ça que nous avons choisi. Et quand on prend en compte un autre paramètre, vous allez voir que ce n'est plus seulement le département de l'Atakora qui entre en jeu, mais ce sont les départements de l'Atakora et de la Liborie. Et donc, nous avons choisi ces deux départements-là et nous choisissons 40 villages par département. Et donc, nous avons 80 villages sur les deux départements. So they choose two departments in the north, and they have 40 villages in each department. Et au niveau de ces villages, nous avons fait des études qui nous permettent de distinguer trois classes de ménages. Trois classes de ménages. They said they make study in this department, and now they have three categories of family. Trois classes, la classe la plus haute, la classe moyenne et la classe la plus faible. Upper class, middle class. Et donc, nous avons essayé d'estimer les besoins en énergie domestique de chaque classe. Ok, they try to estimate the need of energy for each class. Et donc, ça, ce sont des tableaux techniques qui nous permettent d'estimer. Et donc, vous allez voir que pour la classe 1, ils ont besoin d'environ 288 kWh par an. Et pour la classe 2, 561,6 kWh par an. Et pour la classe 3, ça fait 767,68 kWh par an. Nous avons d'abord pris en compte les besoins de base en termes d'électricité. La lumière pour pouvoir étudier. De l'électricité pour pouvoir charger les téléphones portables. Mais en même temps, on a estimé que, au fur et à mesure que les agents économiques auront de l'électricité, leur consommation va tendre à augmenter d'une moyenne de 3% par an. Just one second. So, you can see my three category and the consumption by category. They just take. This estimation is just for one plug, charge phone, and one light. So, but the consumption will be increased for around 3%. 3%. Par an, each year. Par an. Yeah. So the consumption will increase 3%. Et donc, nous avions pris en compte cette variation pour pouvoir. So they took this. Estimer ça par ménage. Et donc, l'idée, c'est d'offrir un kit solaire à chaque ménage. Okay, the idea is to give one solar system by house. Et donc, on leur offre ça. Et les ménages s'engagent à la signature de contrat. Ils vont payer un forfait qui va varier de 5 000 francs à 10 000 francs selon la classe des ménages. Donc, so they want to give to this house this solar home system, and when they give them to the house, the house will pay them 5,000, ça fait $10 environ. Yeah, around $10 or $20. Voilà. Yeah, or $20 each month. Et donc ils vont payer ça pour pouvoir accepter et on leur installe le kit. Okay. Dès qu'on finit de leur installer le kit. Ils vont maintenant, et pour chaque kit, il faut renouveler la batterie chaque 7 ans. Okay. Et donc, ce ne serait plus nous qui allons
leur offrir la batterie maintenant, eux, ils vont travailler à ce que chaque 7 ans, ils puissent renouveler la batterie. Et ils vont continuer à payer un abonnement par mois? Non. On paye une seule fois. Et les autres fois, en fait, les bailleurs financent une partie du kit. Et une partie qui doit être financée par les populations ne doit pas être donnée sous forme d'argent comptant, mais on va les organiser à travailler sur des terrains donnés et le fruit de leur travail contribuera à payer donc leur partie de contribution. Ok. So, it's like this solar home system is donation. So, they will give to the family the solar home system. The family will pay just one time. I don't understand at the first. It just one time they will pay 10 or 20 euro. And after after 7 years, they have to change the battery. So now the population is autonomous with the solar home system. So they Maintenant, en fait, pour que dans 7 ans, ils ne soient pas surpris, on les organise en coopération. Dès qu'ils ont le kit. On les organise en coopération et il y a un contrat bien défini. Ils peuvent décider, par exemple, d'aller produire selon la richesse de la terre dans leur région. Ça peut être du cadou, du maïs, etc., etc. Ils produisent, ils mettent à disposition. Et puis nous, on vend ça, on dépose l'argent dans un compte bancaire pour leur préparer le kit pour que dans 7 ans, lorsque la batterie aura expiré, on puisse leur fournir de la batterie chaque 7 ans. Ils vont les aider à vendre. Hein? Ils vous donnent à vous le maïs. On les aide à vendre le maïs. On les accompagne dans la vente. Ok, so they create a community to keep the money for changing the battery after 7 years. So, and this community, they will help them to keep the money by selling their agriculture thing. They help them to sell and they help them to build cooperative. Someone know? Cooperative. Yeah, to create cooperative and keep this fund for all the houses. Is that right? En quelque sorte, en quelque sorte. Et donc voilà en gros l'idée du projet et nous avions voulu vraiment le faire et je peux vous déjà voir au niveau du planning. So this is the main idea of project that we'll show you the planning. Donc c'est par exemple sur 3 ans. C'est 3 ans dans la phase d'exécution. La première phase, c'est les démarches administratives. Et il faut dire qu'aujourd'hui, à ce niveau, nous avions beaucoup avancé. D'ici peu, nous allons, par la grâce de Dieu, rencontrer le ministre Dona Ousou. L'audience est en cours. Et donc, les démarches administratives évoluent très bien à ce niveau-là. Et après ça, nous allons aller prendre contact avec les communautés rurales. OK. The first thing is administrative stuff. So they now work on it, and they also have a meeting with the Ministry of Energy, so, and after this, they will meet the local population. Mais aussi, on a déjà croisé des banques comme la BOAD, on a posé des gens à la BOAD. And they also start work on funding by talking with the bank, like BOID. West Africa Bank of Development. Okay. Et donc, le second niveau sera de rencontrer les populations à la base, leur expliquer et obtenir leur adhésion. Parce que c'est important. Dès qu'ils ne sont pas avec nous, ça ne peut pas aller. Ok, the second step is to talk with the population, to explain them the project and to have the paper and the signature of the person. Et puis, avant ça, nous allons signer des contrats formels avec eux. Yeah, so they will make contracts with the population. Après, nous allons leur fournir les kits solaires. So they, after they will give them the solar system. Et en même temps, on installe les coopérations et on suit le travail en coopération. And it's the same thing, they create cooperation and therefore they manage this one. Voilà en gros le projet. Voilà en gros le projet tel qu'il est. Donc, la particularité du projet, tel que mon ami vient de le présenter, c'est que nous allons disposer les kits aux populations sans pour autant qu'ils ne déboursent assez d'argent.
mais c'est de les organiser à travailler en coopérative pour que le fruit en fait, de leur travail puisse aider à la contribution de leur partie de l'équipe. Ok. So, he summarized the project and he said he will help. The main thing is not to take too much money from the population, but to organize the population in cooperative and help them. This is the big part of the project. Voilà.